La 42e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine s'est ouverte pour 2 jours ce mercredi à Addis Abeba avec la participation du Maroc. Le Conseil exécutif examinera le rapport de la 45e session ordinaire du Comité des représentants permanents, le rapport annuel sur les activités de l'Union et de ses organes, le rapport sur l'opérationnalisation du CDC Afrique, celui sur l'étape sur l'établissement et l'opérationnalisation de l'Agence africaine des médicaments et le rapport annuel sur la mise en œuvre des activités de la feuille de route de l'Union africaine pour l'année 2022 sur le thème de l'alimentation. La réunion se penchera également sur la note d'orientation et la feuille de route du thème de l'année 2023, accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Je vous propose d'écouter Mohamed Arrouchi, ambassadeur permanent du Maroc auprès de l'Union africaine. Parmi les sujets sur lesquels nous allons nous pencher lors de ces travaux, il y a la note d'orientation et la feuille de route du thème de l'année 2023, accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, l'ASLECAF. Il y a aussi la déclaration de Tanger qui a été adoptée par le Conseil de paix et de sécurité et qui va devenir une nouvelle référence dans la collaboration africaine. Je tiens à rappeler le soutien du Maroc au principe d'une gouvernance administrative et financière à même de permettre aux différents départements et organes de l'Union africaine de s'acquitter pleinement de leur mandat. J'aimerais également insister sur la nécessité de renforcer l'efficacité du processus intergouvernemental au sein de l'institution panafricaine à travers la planification du processus préparatoire des travaux des organes de l'Union africaine. Enfin, j'appelle à une implication accrue des départements techniques respectifs dans le processus de prise de décision afin de répondre efficacement aux attentes des citoyens africains. L'inkhirat يعني كل الإدارات المعنية التقنية في